La reconquête du Normalie se poursuit. Soldats français et maliens sont aux portes de Gao. Ils ont pris le contrôle de l'aéroport et d'un pont stratégique de cette ville qui est l'un des principaux bastions des islamistes du Moudjao. Ce même groupe a dit vouloir négocier la libération d'un otage français qu'il détient depuis deux mois. L'Égypte, secouée par les plus graves violences depuis l'élection du président Morsi en juin, 26 personnes sont mortes dans des affrontements à Port-Saïd. Ils ont éclaté après l'annonce de la condamnation à mort de 21 personnes pour leur implication dans des heurts après un match de foot dans cette localité du nord-est. Ces événements surviennent au lendemain du deuxième anniversaire de la chute de Moubarak, lui aussi marqué par des violences. Les Français plus nombreux à soutenir le mariage homosexuel, dont les défenseurs défileront à nouveau dans la rue dimanche. Selon un sondage IFOP, 63% y sont favorables, soit 3 points de plus que début janvier. L'adoption par des couples du même sexe recueille aussi une plus large adhésion avec 49% de oui. Le débat sur le texte ouvrant le droit au mariage pour tous doit débuter mardi à l'Assemblée nationale. Lance Armstrong a-t-il menti lors de ses aveux à la télévision C'est ce qu'affirme le président de l'Agence américaine anti-dopage. L'ancien cycliste aurait, selon lui, nié s'être dopé lors de son retour à la compétition en 2009 et 2010 pour ne pas s'exposer à des poursuites pénales. Le Texan a jusqu'au 6 février pour venir dire toute la vérité sous serment. Dernier sprint pour le des Globe, le leader François Gabard, suivi d'Armel Lecléart, attaque le golfe de Gascogne avant son arrivée prévue dimanche au Sable d'Olonne. Le jeune skipper de 29 ans y est attendu en vainqueur de cette course du monde en solitaire.